Le président nigérien Muhammadu Buhari a reçu jeudi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Cette rencontre vise à redonner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux pays. Comme signe d'un rafraîchissement de leur coopération, le Nigeria a été retiré de la liste noire des pays violant la liberté de religion. Le prédécesseur de Blinken, Mike Pompeo, avait pris cette décision à la fin de son mandat, à la demande des chrétiens évangéliques qui se plaignaient des attaques contre leur communauté dans diverses régions du Nigeria. Quant aux inquiétudes soulevées par Anthony Blinken sur la brutalité policière qui avait entraîné le mouvement NSARS, le gouvernement fédéral attend les enquêtes en cours qui sont menées par les États concernés avant d'établir les responsabilités, a répondu le président Buhari à son hôte. Anthony Blinken est le premier diplomate américain à se rendre au Nigeria depuis 3 ans.